Le 9 mars dernier, Amandine et Alexandre Pélissard annonçaient l'arrivée prochaine de leur 9e enfant. Enceinte de 5 mois à l'heure où nous écrivons ces lignes, la mère de famille a révélé la date de son terme sur son compte Instagram, ce lundi 10 juillet. Le temps file. Découvert dans l'émission Famille Nombreuse, La Vie en XXL, le couple d'Amandine et Alexandre Pélissard, parents de 8 enfants à l'heure où nous écrivons ces lignes, a finalement choisi de quitter le programme phare de TF1. Très rapidement, les tourtereaux ont annoncé leur reconversion professionnelle dans les contenus pour adultes. Amandine et Alexandre Pélissard partagent désormais leurs moments intimes sur des plateformes dédiées, à celles et ceux qui voudraient en profiter. Et, cette nouvelle reconversion semble fonctionner, comme il l'avait révélé à Jerem Star, ses contenus pour adultes leur ont rapporté 26,000 euros en seulement quelques mois. De quoi remplir les caisses rapidement. Mais, dorénavant, le couple va devoir ralentir la cadence. Récemment, Amandine Pélissard est tombée enceinte de son 9e enfant, après avoir subi plusieurs fausses couches, on tourne un peu moins fréquemment qu'avant. On ne tourne pas tous les soirs, car je suis crevée. J'ai plus tendance à dormir le soir que faire des galipettes, a révélé la mère de Léo Pélissard. À un moment donné, je vais stopper pour raison médicale, car je suis suivie en grossesse à risque, avait-elle conclu. Car oui, le temps file et l'arrivée de cette nouvelle petite fille approche. Amandine Pélissard dévoile la date de son terme depuis plusieurs mois, Amandine Pélissard partage régulièrement des photos de son ventre bien arrondi sur son compte Instagram. D'ailleurs, elle a été interpellée par de nombreux compliments des internautes à ce sujet, qui la trouvent rayonnante. Ce lundi 10 juillet 2023, la future maman d'une petite Maëna a partagé un nouveau cliché de son baby bump. Enceinte de 5 mois, elle en a profité pour faire un petit point sur la date de son terme qui est fixée à l'automne prochain, plus précisément le 18 novembre. Alors qu'un internaute avait noté une certaine fatigue et un amincissement chez l'ex-star de Famille Nombreuse, cette dernière avait répondu, fatiguée un peu, normal lol, mais amincie non, je suis à plus 7 kg à 4 mois et demi. Merci pour votre bienveillance, avait-elle écrit. Une chose est sûre, les enfants des Pélissard ont hâte de faire la rencontre de leur petite sœur.